Réunis pendant 3 jours à Brazzaville, les membres de la société civile congolaise rassemblés au sein de la Fédération congolaise des droits de l'homme et de la coordination des réseaux et associations de la société civile pour la gouvernance démocratique électorale ont examiné le fonctionnement de la démocratie au Congo ainsi que le climat sécuritaire dans le département du Pôle. On est au regret de constater un certain nombre de pratiques que nous considérons antinomiques à ces valeurs tant recherchées par l'ensemble des populations du monde, parce qu'aujourd'hui tous les peuples ont le droit aujourd'hui d'en vivre de la démocratie avec toutes les valeurs que poursuit ce système politique. La société civile condamne aussi les actes terroristes perpétrés par la bande armée à la solde du pasteur Toumi. Nous avons des institutions de la République qui sont établies et on ne peut pas, au nom d'un certain grief, prendre les armes pour essayer justement de faire passer un message qui va à l'encontre de la culture démocratique. Et ça, nous disons que c'est totalement déplorable. La société civile déplore également l'attitude du pasteur Toumi qui revendique la tenue d'un dialogue politique alors qu'il continue de massacrer des innocents. C'est dommage qu'un pays démocratique, qu'il y ait certains acteurs qui aient des revendications à faire et que ces revendications se fassent les armes à la main en tuant des paisibles citoyens du pays. Revenant sur la présidentielle du 20 mars dernier, la société civile interpelle la classe politique à un sens aigu des responsabilités. Nous sommes dans une dynamique où on conteste tout et de cette manière, on n'aide pas la démocratie à avancer de façon harmonieuse, de façon dynamique. Et voilà pourquoi nous en appelons la classe politique au ressaisissement. La Fédération congolaise des droits de l'homme et la coordination des réseaux et associations de la société civile rappellent que les rapports publiés à l'issue des élections du 20 mars dernier sont à l'opposé des critiques qu'elle juge trop violentes de certains candidats malheureux, car les élections avaient connu la participation de plus de 1 200 observateurs nationaux et internationaux.